Et salut à toi YouTube, bienvenue dans cette vidéo COTD. COTD du coup du... le combien là, on est le 12 février tout simplement. Et on a une map de Speck Orin. Du coup, Speck fait souvent des maps dirt avec un réacteur à un moment donné. Qui vient mettre des réacteurs lui? Ça peut être sympa. Et merci Altaïr. Merci beaucoup. Oh putain, c'est de... c'est pas de la dirt ça. Ok. Jusque là... Si un jeu de plateforme indé te tente, regarde Shippy au Little Adventure 1x3. Ah bah j'ai regardé, merci Desire. Merci beaucoup. Bah là en ce moment on est sur, sur Cocoon, que j'ai d'ailleurs adoré. Vraiment j'ai trop hâte d'être jeudi pour continuer. Mais on a rempli un petit peu la liste des jeux différents. Et j'en ai pas mal à faire, mais merci beaucoup. Merci pour le 15e mois aussi. Alors... bon, petite map chill. Un peu une map rompiche. On va voir. Mais souvent, Speck, il fait les mêmes... les mêmes délires. Ah ça c'est externe. Je crois. Mais il est là le réacteur d'ailleurs. Je vous jure il y a tout le temps un réacteur sur ces maps, c'est marrant. Je trouve que c'est un running gag à ce point là. À ce stade. Ok. Je vais checker GPS au cas où. J'ai pas envie de bêtement avoir du retard. Est-ce qu'on a le temps? 41.19. Si on part du principe que le GPS c'est la T. Ok, donc exter. Pique en un T, bam. Jusque là c'est bon. Et là, un T. Sans perdre la gear. Ouais, j'avais globalement les lines, mais c'était pour être sûr. Wow, le bump. Ah, c'est pour pas se faire chier le réacteur. Bien vu, bien vu. Putain, j'arrive pas trop ce truc. Dommage. Ah oui, maintenant on peut penser à regarder à 7 minutes le temps du dixième. Faut qu'on pense à faire ça. C'est un bon indicateur du temps, merde. Du temps à faire pour le seed, hein. Bon, j'ai planté ma fin.
Je pense que ça va être, ouais, point 2. Je suis capable de faire ça, moi? En gros, faut rouler le GPS. Ah, j'ai pas touché là. Je vais juste traîner un petit peu. Ouais. J'ai de moins en moins le feeling sur le premier turn. Ah, je pense que je vais faire ça. Hein. Putain, c'est dur. C'est un peu beginner friendly. Je sais pas si je vais jouer. Test, tu verras bien. What? Oh, c'est quoi la line? Je pense que c'est ça, mais sans perdre la gear. Bon, en vrai, je fais une run, ça va. Ah, je pense qu'il parlait de jouer la Track of the Day. Perdu la gear. Oh frère, ce premier turn est horrible. Oh le bobard. Merci beaucoup pour le SM. Merci Lomar pour le 54e. Il y a des bums partout, c'est pas très agréable.
Mais d'où ça clip, ça? Oh, c'est tellement nul. Faut mettre un truc à frôler ici. Allô? J'ai justement été à gauche pour save. Putain, c'est grave. Bon allez, il faut juste rentrer une run. Normalement, je fais large point 2 en safeant. Il y a des Striden. Oh, c'est tellement nul, genre. Ça bum de tous les côtés. C'est trop désagréable pour prendre la line. Bon, moi j'ai pas tapé. Je save ma fin, mais ça va. J'aimerais bien un 43. Ah, le bump en XT. Ouais, j'ai dû un peu plus tourner que d'habitude sur le dernier turn pour pas taper. Ah, dommage. Plaisir, merci à toi du soutien. Merci beaucoup, Kat. C'est gentil pour le deuxième mois. Alors, elle était bien la COTD. On est en train de la jouer, donc enfin, elle a même pas vraiment démarré là. Merci pour le GG. Mais moi, je suis jamais vraiment fan des maps un peu dirt comme ça. Généralement, je peux bien les jouer, mais... J'ai de plus en plus de mal avec les maps trop simples, trop... Il n'y a pas de concept, il n'y a rien. Mais bon, ça se joue. Trop basique, ouais, mais après, c'est aussi pour convenir à la majorité des joueurs, etc. Donc je comprends. Je comprends. Disons que je m'amuse plus quand il y a une sorte de concept. Bah, grâce Trink, il y avait quelque chose, tu vois. Et vous êtes des haters de Grass Track alors qu'elle était... Elle était originale au moins. Dun dun.
Elle était rompiche. Bah moins que celle-là. Mais c'est mon avis. En fait, si on en parle, c'est qu'elle était différente. Ça a l'air moins rompiche à regarder. Ouais, ah ouais, si vous le dites. Ah bah tant mieux. Tant mieux finalement. Ok. Bon, je sais pas, je peux être régulo 44, mais je pense pour win, faudra régul du 43. Ah, oh, dommage. Mais... c'est trop nul, cet endroit. Ouais, si vous voulez, je vous expliquais. Ici, on arrive là. On a un bump ici, un bump ici, un bump ici. Et du coup, faut zigzaguer tout en réussissant à viser ça. Du coup, c'est compliqué. Mais ça le fait, ça le fait. Ouais, ils vont trop green, ils vont trop green. Oh. On a imaginé, je suis out sur ce round. Genre. Oh, et je perds la gear. Aïe, 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 aïe. Number is red. Je suis in. Mais pour combien de temps? Aïe, 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 aïe. Meilleur moment pour arriver. Scrappy out first round. Je crois que j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est historique. Non mais dans le sens, il a sûrement mis... Imagine, tu mets dans ton titre Winner POV et tu sors first round. Ah, ce serait con quand même.
Non, bah, t'évites de changer le titre comme ça, c'est bien. Ah, mais on voit même pas la réponse de Nightbot. Et là, j'aurais du clip, non? C'est ça que je comprends pas. Des fois, j'ai quasi les 4 roues dans le vide et ça clip pas. Et tout à l'heure, j'avais un trail où j'ai à peine mis ma roue et c'est ciao. Oh, tu tues en point zéro aussi. Ça roule bien. Pas trop. J'ai safe, mais vous avez vu le bump que je me prends? Est-ce que tu penses que pour les poissons... Est-ce que tu penses que pour les poissons, les crabes volent? Pas mal, pas mal. Bah ça dépend, on parle des crabes... Des crabes d'eau douce. Non mais oui, j'imagine que si tu parles des crabes qui sont au fond de l'eau... Est-ce que pour les crabes, les poissons volent? Je pense pas, non. Les oiseaux volent pour les crabes. Mais fuck you! C'est quoi cette transit fils de chien là? On slow down dessus une fois sur trois! Mais moi, je m'en veux même pas. C'est vraiment pas ma faute. Genre, passer en replay mon truc là,
aucun moment je dois slow down. Hein. Je suis véridique. J'arrive au mauvais moment, sage. Anyone else clipping the air after first outside? Moi. Je pense que c'est ta faute. C'est pas ma faute. Genre j'étais... En plus j'étais là. Non mais tu construis pas... Tu construis pas une map en te disant que ça, ça va bien marcher. Il faut que je mette moins moins. Ok, je me casse. Merci beaucoup Maxence pour le 22e mois, merci. Non mais écoutez... De toute façon j'aurais fait quoi? Top 10? C'est pas grave. Mais honnêtement, c'est vraiment de la merde hein, cette transi. Pourtant Spec, c'est un mec, il map quoi. Ça me surprend qu'il ait laissé ça. Vraiment. Je suis sûr que le 1v1 va se finir là-dessus. Oh, attendez. Ah, y a eu un hard respawn. Et c'est qui sort. Prédit le 1v1 finit se finit là-dessus. Non, bah c'est juste comme ça, je balance l'idée, tu vois. Et merci beaucoup Brizix pour le 37e mois. Non mais en vrai de vrai, je suis chaud, on analyse le clip de quand je suis out. Hein. Ok, I got it. Genre... Est-ce que... Regardez, je roule classique. Je roule là, quoi. Tout le monde roule là. Et moi, je slow. C'est le deuxième try. C'est déjà dernier. Ouais, oui, bon. Tain, on peut pas faire des gauche-droite de quelques secondes. Comme sur YouTube. On voit une petite bordure qui remonte du bloc. Ain't no way! Mais non! Ah, mais oui! Mais putain, mais t'es fort, toi! Hein. Mais oui, regardez bien! Elle est là! Avec les flèches, je crois que tu peux. Bah non, justement. Pas sur Twitch. Non, bref. Je suis même pas plus à gauche que. Ou... Je suis pas plus à droite que quelqu'un d'autre. C'est juste pour vérifier. Tu veux pas faire ça à ton meilleur supporter? Non, mais on en parle depuis tout à l'heure, je veux dire.
C'est pour ça que j'ai clé. Attendez, on va regarder. Duolingo. Lingo. Analyse de gameplay de Lingo. Et il slow down pas. That's a nasty Axel pen. Yeah, I know. That's why I went out. Oh, tutu! Oh, Telnake a snipe! Il y a Ruko qui a raté sa fin. Il était à droite. Mais c'est encore pire, hein. Or, faut déplacer le drapeau. Alors pour moi, il y a plusieurs solutions. Soit il rajoute ce bloc à droite. Ce qui serait un peu moche. Soit, ouais, il déplace tout ça et il met ici, quoi. Et du coup, on fait gauche, droite, gauche. Mais même celui-là, il est cliquable. Mais je l'avais, j'avais déjà eu le slowdown en, pendant le time attack, donc... Mais c'est quoi ces finish? Ah, Shorty qui a récup son skin. Ah, c'est son skin TM2, ça. Et TMNF. Ok, top 16. Ouais, full safe, hein. Ils ont raison. Nabla qui élimine Telnei. Telnei qui avait déjà bien snipe tout à l'heure. This clip is so annoying. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il va le save du coup? Même pas vraiment. Oh, joli. Attends, Jolux, c'est le Norvégien? Ouais. Hop, 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 hop. Je crois que Jolux a déjà joué la map. Parce que, attendez, je veux trouver. Oui, parce que voilà. En fait, il avait déjà roulé 1.8. Alors, je sais que c'est bizarre, mais
En gros, si vous regardez, ça c'est la map. Et en fait, replay Jolux 43.8. Et en fait, il s'est sorti il y a 4 jours. Voilà. Détective Yannex. Au rapport. Gagné combien de COTD ? 8, ça fait 1. J'ai vu cette vidéo. Bah moi aussi, mais j'ai oublié qu'il y avait cette map. En fait, c'est l'intro qui m'a rappelé. Tu manges des pommes. Je remarque que tu as plus le logo BDS avec ta cam. C'est fini avec eux pour toi ? Ouais. Ouais, c'est fini. Plus créateur de contenu pour eux. Ouh, Grana. Oh non, Jolux out, ce serait trop dommage. Non, Nabla. Il s'est chié dessus. Et Grana qui a failli remonter, hein, alors qu'il avait bien touché. Nabla peut devenir un vrai bon joueur, non? Et super jeune. Ouais. À voir. Les encourageants. Ah non, mais ça fait un moment que je me dis ça, mais j'ai l'impression qu'il stagne. Parce qu'il faut la motive de train et tout, c'est pas facile, hein. Donc ça a pas l'air d'être un gars qui a envie de train. Mais il a du potentiel, ouais, ça c'est... Allez, Jolux, donne tout. Oh, mais Lingo, il a écrit « Je vais pas win ». Alors qu'il... Oh, Loco. Oh, Loco, il faisait des bons temps, c'est dommage. Oh, dommage, il remontait tellement. Va revenir à la paix, ça, c'est chaud. C'est une bonne perf aujourd'hui ? Pas vraiment, non. Sortie unlucky. Parce que map mal faite. Mais tu verras et ça va arriver au 1v1. Mais genre, il clip pas, lui. Aïe, 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 Jolux qui sera in. Et non. Pas loin d'arnaquer encore une fois, lui.
En gros, je te laisse deviner ce qui va pas ici. Ouais, Lingo Acro, c'est un bon call. C'est un bon call si Lingo choquait pas. Oh, du coup, Akroz. Mais c'est sûr que un des deux va clip en finale. Lingo, I'm so bad. Ouais, c'est comme un trottoir. On a perdu Botanex. Aïe 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 aïe. Attendez. Qui va clip? Aucun. Pour l'instant aucun. Le bot ne me salue pas. Ah si, il t'a dit salut tout le monde. Enfin, il t'a dit Sir Dale, salut tout le monde. C'est bon? Mais il est plus sub, du coup, il a pas les emotes. Merci Eva pour le sub offert. Ah, Botanex qui retrouve ses emotes. Hop! Allez, Floofle contre Razg. Qui va clip? Moi je dis Razg, il clip. Oh, mais regardez à quel point il va à droite! La luck! Ah, ça paraît compliqué à remonter, peut-être sur une erreur de Razg. Qui perd la gear, non, ça se passe bien, il jump un petit peu, mais... Ce sera pas suffisant pour Floofle. 43.8 GG. Lingo qui a roulé un 1.6, j'avais pas vu. Et Lars, 0.7. Il a dû faire une div 2. Rouler en div 2. Juste un gros coup de malchance. Mais non, j'ai pas été... je suis pas le seul à avoir clip. Hein. Il y en a plein qui s'en plaignaient dans le chat. Juste que ça arrive pas à toutes les runs.
passe comme ça. Mais je l'ai eu quelques fois pendant le seeding. Donc j'aurais dû me dire d'aller plus à gauche, en fait. Je perds point 1, mais écoutez, ça m'évite de clip. Mais ouais, c'est dommage, ces erreurs... Mais ça, c'est presque une erreur de débutant, en fait. C'est ça qui me choque un petit peu. Alors que pourtant, Spec, c'est quand même un... Enfin, il en est pas à sa première map. Bref. Allez. Sur ce, YouTube, c'est la fin de cette COTD. J'espère qu'elle t'a tout de même plu. On se revoit très vite. Pense à t'abonner et liker. Des bisous.